attrapa de nouvelles conquêtes. Après être parti à la recherche de nouveaux continents au travers des grandes étendues sauvages, des océans à perte de vue et de vertigineuses montagnes, notre belle planète bleue est devenue trop exiguë. L'homme aspire à de grands projets d'envergure spatiale, l'exploration du cosmos, de l'univers et des objets célestes du système solaire. Pour certains, ce ne sont que de folles ambitions. Pour d'autres, des objectifs qu'il faut atteindre coûte que coûte. Apollo 11 fut la troisième mission habitée à s'approcher de la Lune. Le 20 juillet 1969, pour la première fois, des hommes ont foulé le sol lunaire. Ce soir, nous allons vous révéler le véritable but de toutes ces recherches et investigations. À quoi servent réellement les programmes de la NASA? Ce sont des expérimentations pour mener à bien le projet ultime UM3BD, l'ultrasonique mission 3, belle découverte. Comme pour Apollo, tous les regards se portent sur cette troisième mission. Un nouvel équipage d'experts soniques a été sélectionné. Aurel Armstrong, commandant de la mission. Hugo Buzz l'éclair, pilote du module. Clem Collins, pilote du module interne de commande des Zinzins de l'espace. Les trois musiques cosmonautes s'apprêtent à décoller à bord du vaisseau spatial guidé depuis la base avancée galactique extrasolaire Baja. Voici une autre version de la conquête de l'espace. Thank you.
au-delà. Allô, la scène. Ici UM 3BD. Sortie de la stratosphère. Vol sans encombre. Dépassement de la constellation Clé de Sol. Passage à bord des anneaux vinyles de la planète Saturday Night Fever. Dans quelques minutes, nous arriverons dans la ceinture d'astéroïdes Pop. Ça va secouer ? Nous frôlons d'immenses rocs. Virage à droite. Virage à gauche. Attention ! UM3BD, vous me recevez ? À vous. UM3BD, la communication est mauvaise. Faites un rapport dès que possible. C'est à peine croyable. Les parois de la cavité étincellent de millions de diamants aux couleurs changeantes au rythme de notre passage. Enfin, sortie en approche. Nous regagnons le cosmos. On se prépare à passer en vitesse lumière. Bien reçu. Bagé à UM3BD, terminé. Thank you.
Commandant Aurel Armstrong, nous ne pouvons rester en contact plus longtemps. Prenez les commandes et poursuivez le protocole quoi qu'il advienne. Urgence, débranchement de toute communication. Thank you.
Rolling Spock revendiquent l'exclusivité sonore de leur groupe. Bien connus des services secrets pour leurs coups d'éclat dans le passé, ils pourraient anéantir l'une des plus importantes découvertes de l'humanité. Thank you.
colossale les attire au centre d'un puits gravitationnel. En une fraction de seconde, la navette disparaît, avalée par le vortex de ce monstrueux trou noir. Thank you.
Je suis donc obligée de vous commenter l'exploration. À présent, je sors de la navette. Je descends les échelons. Mon pied foule le sol. À chacun de mes pas, une onde sonore s'en échappe. C'est extraordinaire. Comme nous l'espérions, la musique émane de cette planète. Planète qui ressemble étrangement à la Terre. L'environnement est multicolore et sonore. J'analyse l'air. Air compatible, humain. Ok. Je peux respirer librement. C'est fantastique. Cet instant est historique. Une petite note pour l'homme, un grand concert pour l'humanité. Thank you.
Je vous invitera aussi.